Sydney face à un adversaire qui, il est vrai, n'occupe que la 185e place mondiale. Il s'agit de Piotr Szafrańczyk, un Polonais, pour la grande finale européenne. Et Marc vient de le dire, une finale qui serait tout à fait historique. Ne vendons pas la peau de l'ours, car ces jeunes Polonais n'ont rien à perdre et vont certainement essayer de jouer pour faire la performance. C'est du seul coup droit. Et les joueurs européens qui, dans les dernières années, ont développé un revers agressif, sont parvenus tout doux en retour du Polonais, sont dus au fait qu'il évite manifestement de donner une balle dans le coup droit de Jean-Michel. Et il va aller assurer la faute directe, à centaines de mètres seulement de son domicile, avec des supporters. Et il y en a beaucoup ce soir dans la salle de Lonsain, plus de 1500 personnes. On joue ici à bureau fermé, alors que Jean-Michel semble. Voilà, toujours. Ah, bonne défense, agressive en l'occurrence, de Jean-Michel qui donne l'accélération un peu à la manière d'Achille courir en tennis, novice polonais. Droit décroisé, c'était remarquable. Et il est déjà au commandement. Voilà, 4 points à 2. Il s'en donne un maximum de moyens. Je crois qu'après les Jeux Olympiques, par exemple, il a encore augmenté la quantité de son entraînement. En attendant, Szafrańczyk, ici l'adversaire de Jean-Mi, se trouve déjà en très grande difficulté dans ce match initial. Et la Belgique va accomplir peut-être à l'issue de cette partie 50% rangé. Regardez ce débordement tout droit. Pour une fois, on a dépassé la Suède, on a dépassé les Anglais, on a l'occasion de se faufiler. Le premier set et l'avantage dans le deuxième, 11.5. Quelle régularité derrière la table. Formidable. Formidable Jean-Michel Serre avec une confiance exceptionnelle. Alors qu'il n'est pas aisé dans un score individuel et aussi point. C'est par la faute, si j'ose dire, de Jean-Michel, qui domine très allègrement son adversaire. Est intéressant. Au niveau des démarches. Serre le plus possible sur le revers de son adversaire. Ici, c'est pas possible. Voilà, c'est terminé sur un coup droit d'attaque, comme par hasard. Aucune opposition virtuellement pour Jean-Michel Serre, qui rapproche la Belgique de demi-heure de jeu. On revoit au ralenti la troisième balle de match et ce coup droit d'attaque, ce débordement d'un Thierry Cabrera qui évolue également en Belgique et en France. Ceci est une autre histoire. 0 à 0, le match peut commencer. Deuxième partie et espérons-le, une qualification à 2 points à 3 premiers services de Philippe Serre. Aura connu sa prochaine défaite. Eh bien, espérons une barbe à la Léopold II pour tout le monde. Espérons, même si ça. Il a remporté les internationaux de Roumanie l'année dernière. En bateau. Le Polonais qui est 49 de service, 9 points à 10 première manche. La chance l'accompagne, ce jeune Polonais de 20 ans, sur cette partie entre la Belgique et la Pologne. Et on rappellera le score étonnant du match aller. La ville de Lech-Walesa. Était encore bien petit, sa tête dépassait à peine la table. Il a un jeu basé essentiellement sur la technique, alors que Jean-Michel a un jeu qui est basé sur la vitesse et sur la puissance. Va être particulièrement important pour Blachnik, opposé à Philippe Serre qui remplit amplement son contrat. Il a trois points d'avance et il sert pour finir. Il attaque bien en coup droit, comme Jean-Michel. Table, 4 points d'avance. Terminé, voilà, première manche conclue rapidement.
Et pourtant, à deux ou trois reprises, Philippe Sèvres a été mené. Il a retrouvé sa concentration. C'est qui commet une assez grosse erreur. Et il joue très près de la table. Pour... J'en parlais tout à l'heure, il évolue à la fois au Panthéon de Bruxelles et à Bordeaux en interclub. Et Mulhouse, à Mulhouse et à Sestas Bordeaux. 5. Trois, six. Difficile pour Philippe. Ah oui, un peu trop court. Quels inconvénients. En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau rivalité, elle est absolument... Je ne sais pas si on peut dire qu'on a incité nos enfants à jouer. Je crois que il faut que chaque jeune choisisse son sport et son orientation à partir du moment où ils ont choisi avec cette petite équipe de Belgique à faire des résultats. Qui interloque véritablement oui. En tennis de timbre. Très psychologue aussi. Et voilà, il est là. Et son équipe n'est plus qu'à 6 petits points. Si Philippe prend, il est très appliqué, très concentré. Voilà, 2 points maintenant. Nous sommes à 2 points. Ce qui se passe aussi en tennis, c'est beaucoup de juniors. Service court et puis une balle violente. Dégager l'espace pour pouvoir placer une balle violente. Là, c'est exceptionnel. Comme ancien joueur de Serie A, les progrès exceptionnels. Constaté en tennis à table. La oui, vitesse de balle. La vitesse du jeu, vous voulez les qualités athlétiques. Des compétiteurs, c'est pas possible sans être un... On peut imaginer être un athlète de premier niveau en tennis de table sans faire de la musculation. Peut-être pas de la musculation. Quelques années, 18 points à 8, rien à dire. Ton nom concède 11 balles de match. Voilà, on va s'amuser. Merci messieurs pour le spectacle. Merci encore pour le spectacle. La Belgique mène par 3 victoires à 0 devant la Pologne. Sans l'ombre d'un suspect. Vladislav Krezeski opposé maintenant à Frédéric Sonnet qui fait son apparition ce soir aux côtés de Thierry Cabrera. Monsieur Wang a préféré mettre dans le coup Frédéric Sonnet, garçon très... Pour l'équipe notamment en Suède où il avait battu Peter Karlsson et Fred... Par ailleurs, l'équipe d'Italie en double. L'année dernière, oui. Et rappelez-vous, contre l'Allemagne, ils avaient pris la mesure. L'installation du village sportif au Sartillement sur les hauteurs de Liège, à quelques kilomètres de ce hall omnisport de Loncin sur le territoire de la Tour des 21, que la Belgique jouera la finale européenne par match aller-retour. Et le champion olympique dans le double joué pour l'honneur. Nous en sommes.
Anthony, on dit souvent qu'en double, association idéale... Nous sommes malgré tout limités. Nous n'avons pas encore parlé de... Qui a été d'ailleurs le coéquipier de Thierry Cabrera et même de Jean-Michel au début, donc il connaîtrait... Important dans un sport aussi individuel que le tennis de table. Oui, je crois qu'il n'y a aucune honte à perdre. Polonais. Oh, dommage. Faute sur le service et la première manche. Tout aussi dénuée de tout suspense. Pour Thierry de deviner le type de parade que fera le relanceur. Assez lourde de cette équipe. On rencontre les Suédois en finale de la Super League pour couronner le